Coucou. Oh l'action, ça fait un moment. Là j'avais vraiment besoin de choses, notamment d'entretien pour la maison, et ça a un peu dévié. Il y a du soin corporel, de la déco, de l'accessoire, de la maison, il y a de tout. Je vous montre tout ça. Je me munis du ticket de caisse, évidemment. Bon, première chose, j'en ai besoin des sacs poubelles avec lien coulissant, important. Sinon c'est chiant, c'est très très chiant. Quand j'oublie de choisir ceux à lien coulissant, je m'en souviens et je me dis, mais t'as été con. Donc voilà, bah 50 litres, 1,69€ et il y en a 20 à l'intérieur. Ensuite, j'ai trouvé, j'avais déjà pris je crois de cette collection, Hôtel Royal Premium Qualité, sortie de bain, tout molleton, avec, on voit une matière à l'intérieur qui est adhésive et antidérapante. J'ai pris le mocha chocolat marron anti-slip. Anti-slip, ça doit être antidérapant, je pense. High qualité, donc haute qualité, et soft, soft, ça veut dire doux, je confirme. Bathroom mat, dimension 50 par 80, c'est parfait tout ça. Tapis de bain, 52% polyester, 48% coton, on ne sait jamais, ça peut vous intéresser. Et l'Hôtel Royal, 7,95€. Oups, oh, j'ai fait tomber. Bonsoir, le ticket de caisse. 1, 2, 3, tapis. Ça vous parle pas trop, mais moi ça me va. Ça me plaît beaucoup. Ça vole de partout. J'aurais pu faire un effort quand même au niveau de la coiffure. C'est un petit peu bizarre. Je prends, je pioche comme ça me vient. Ceci. On a toujours besoin. Combien? 8 plus 4, ce qui nous fait 12. La fille qui doute. D'ailleurs, rien à voir. Si vous attendiez un vlog, ça arrive demain. 5,95€ les 12 rasoirs. Je... On reprend. 5,95€ les 12 rasoirs jetables. J'ai une question à te poser. Bah vas-y. Je ne veux pas te déranger pendant que tu travailles. Non, vas-y. Je ne fais que te déranger. Je t'écoute. Est-ce que tu as acheté des sacs poubelles? Si oui, lesquels? Et montre. Ah, parce que, ah oui, parce que là, ça tombe très très bien que tu sois là. Je vous disais, surtout impératif, lien coulissant. Voilà, parce que si je prends pas lien coulissant, je me fais, mais... Bon, je vérifie. Oh, mais en plus, il regarde genre... En fait, tu cherches le truc à me reprocher. Tu cherches... À vous. Non, mais... Alors, je vais te dire la vérité. Ça va pas? Non, c'est pas ça, mais tu les as achetés... À Action. Action. Et ben moi je trouve que le plastique... Il est pas top. Je le sens pas. Et ben faut qu'on teste. Mais sinon c'est bien, 50 litres, lien coulissant. Bon bébé, par contre maintenant il faut y aller là. Touche le plastique, touche-le. C'est important, je pense que les gens sont plus concernés par les sacs poubelles que tu ne crois. Touche le plastique. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. T'as l'impression que... Ouais, c'est beaucoup plus... C'est moins résistant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, en vérité... Bon, est-ce que tu veux t'installer à ma place et continuer le rôle? Je pense que les gens sont certainement plus intéressés de savoir... Là, tu veux parler du canard WC, comment on l'utilise? Oui, par exemple. Tu vois, dans le canard WC, il n'y en a qu'un seul qui marche vraiment bien. Est-ce que tu sais lequel est-ce? Non. Voilà. C'est pas le Harpic? Oh non. Eh ben, j'ai pris Harpic Fleur Tropicale. Je ne l'ai pas senti, mais il me donnait vraiment envie. It's like a flower. A tropical flower. Tropical. Ouais, ça sent bon, ça sent bon. Très frais. Harpic, voilà, je l'ai. Fleur tropicale, 1,09€. Encore une fois, j'ai pas comparé contre, avec... ça sent la fleur tropicale jusqu'ici. Hein. C'est vrai? Ah, vu que tu l'as ouvert, ça sent... Bah, tant mieux. Active fraîche. Alors, voilà, moi, longue durée. Ouais, ce qui m'intéresse surtout, c'est le nettoyant canalisation. Ah oui. Bon, je fais ça, puis après, voilà. Le nettoyant canalisation, j'ai demandé au monsieur, il y avait trois. Il y avait soit deux un peu similaires et un autre avec des solutions. Fallait mélanger. Il m'a dit que c'était celui qui était le mieux. Et pourquoi tu rigoles? Non, parce que t'as de la chance, tu vas Tu sais Action. Que j'ai même pas donné le prix de l'Harpic avec combien? On est 1,09€ si on je est le mardi 18 février. Donc t'as dû y aller, il était vers 11h. Et tu tombes pile poil le jour de la semaine, ouais. Le jour de l'année, où le gars qui est spécialiste, des produits canalisation, il les a tous essayés. Il a fait une étude sur toutes les canalisations. Et le gars, il est là, bon bah tu tombes, et là tu lui poses, mais celui-là, c'est le meilleur. Pipoman, c'est le roi du pipo. Je l'ai pas trouvé en fait.
Je suis désolée, je sais pas. Je sais pas, je crois que c'était 1 euro quelque chose. On continue, Huggies, ce n'est pas pour moi. C'est pour nettoyer mes pinceaux, nettoyer des choses qui traînent, ce genre de choses. Voilà, Huggies, il y en a 56. Moi, franchement, c'est le genre de truc qui me dépanne. Je crois que c'est 70 centimes. Déboucheur, 1,46 €. Oh là là, j'ai oublié de faire mon vernis. C'est pas possible. Huggies, 60, voilà, 79 centimes les Huggies. Merde, j'ai tout cassé. Alors, les éponges Monsieur Propre, elles sont comme ça. Elles sont top. Faut prendre vraiment les Monsieur Propre. Moi, c'est vrai que d'habitude, je les achète à Leclerc. Elles sont top, mais il n'y a pas le côté rouge, je sais pas. J'espère qu'elles sont autant efficaces. Il y en a deux, les fameuses gommes magiques, c'est-à-dire, si vous ne connaissez pas, quand tu as des murs blancs comme ça, un petit peu vieillis, qui se salissent vite, hop, tu mets un tout petit peu d'eau, tu tournes sur toutes les surfaces, c'est génial. Les portes, les coins, les angles, les plinthes, les murs, c'est franchement top, top, top. 2,69 € les deux éponges. Ah, j'ai l'impression que c'est cher. Ensuite... J'en ai déjà plein, mais j'ai trouvé tellement jolie une trousse. Elle est mignonne, hein. Zèbre, c'est ça. C'est la marque Cosmo, Cosmopolitan. 4,44 € la trousse de make-up, de soins. Tu peux mettre des cotons. Tu mets ce que tu veux, là, tout simplement. L'intérieur... What? L'intérieur est tout ce qu'il y a de plus normal, noir. Ça, c'est nettoyant, multi-surface. Le bleu, le rose que j'avais déjà testé et celui-ci. Senteur limée, donc citron, black pepper, poivre noir. J'aime bien l'odeur. Et c'est vrai que eux, ils te disent 98% de plantes à base d'ingrédients naturels, 100% biodégradable. Quand tu vois ça, tu te dis, ça a l'air clean. D'ailleurs, ça s'appelle Kitchen, hein, ça a l'air, a good clean, voilà, naturally, donc. C'est censé être naturel, ça sent pas trop mauvais et bah, tu viens nettoyer ton plan de travail, tes tables, c'est pratique. C'est pas facile, 1,39 €. Eric est parti, mince, c'est pour lui. Il a besoin d'une lampe de chevet qui soit amovible, on va dire, et je lui ai pris celle-ci, je la trouvais assez chic. Et c'est dans un peu là où il y a son canapé, salle vidéo, hop. On peut bien évidemment l'incliner comme ceci. Est-ce que ça va lui plaire? C'est pas gênant, j'ai demandé de toute façon à la caisse si jamais il n'aime pas. Je peux le retourner, mais même s'il n'aime pas, moi je l'aime beaucoup. Je pourrais quand même trouver un endroit sympa pour la mettre. Je crois que c'était 7 €. Voilà, 7,49 €. La petite lampe de table, de chevet. Savon pour les mains, j'achète tout le temps. J'ai jamais pris celui-ci, il est super beau. Citrus, très joli. J'ai pas senti, mais... Oh là là, oui. Oh, ça sent ça, le citron, c'est impressionnant. Et très joli. Donc, sur le rebord, salle de bain, moi, je le mets. Il coûte, savon les mains, 1,49 €, mais c'est un très grand format. J'ai pris leur infusion. Ils font du thé, mais moi, je prends pas de thé, hein, avec les carences en fer, omévité, il faut espacer. Donc, dans le doute, je n'en prends plus. Je prends que des infusions. Natural Spirit. Je sais que c'est une gamme qui est pas mal. J'ai pris camomille and more. Donc camomille et plus de quoi. Tisane, ingrédients, il y a de la camomille. Ah, j'avais pas vu, réglisse. Alors le réglisse, c'est bien quand tu fais des chutes de tension, ce qui est un peu mon cas, ça vient la remonter. Qu'on évite quand on est justement à l'inverse. Muscadier, fleur de lavande. Purée, j'aime pas ça la lavande. Fénugrec, je connais pas. Bon, tiens, contient de la réglisse. Les personnes souffrant d'hypertension doivent éviter toute consommation excessive. Quand je vous dis que je suis médecin, combien coûte cette infusion? Bien, elle est gratuite. Elle est gratuite, n'a pas été... Non, je ne la vois pas. Franchement, c'est pas noté. Donc, ils ont oublié de me le facturer. Merci, Action. Ceci, des rice, je les connais. Ils sont très corrects. Organic rice cakes, vegan. 7 super seeds. Voilà, moi j'aime bien, c'est mes snacks. Et ceci coûte 89 centimes, les rice. J'ai pris ceci dans la partie loisirs créatifs, tout simplement parce que bah, les lettrines comme ça, j'aime bien pour
côté ce que tu veux, mais que ce soit un petit peu graphique, un petit peu en 3D. Et le côté blanc et doré me plaît, donc c'est ABC stickers, comme ça. 74 centimes les petits stickers. Ce gel douche, j'ai l'impression que la luminosité s'est barrée d'un coup. C'est impressionnant. Palme olive, alors j'ai craqué juste par rapport à poire. J'adore l'odeur de la poire. Et pour le coup, là, je l'ai senti là-bas, c'est impressionnant. Ça sent la poire, j'adore, j'adore, j'adore. Comment ça tient sur le corps? Je sais pas, mais si je sais pas, je ne saurais pas. Poire, miel de douche. Voilà, petit palme olive. Qui coûte combien, écoute, ce palme olive? 1,39€. Le gel douche. Voilà, c'est terminé. Je vous ai tout montré, c'était un petit haul un peu décousu avec des guests, hein. Ça arrive comme ça, ça dit même pas bonjour. J'espère que ça vous aura plu, laissez-moi tout ça en commentaire, je vous fais un énorme bisou, je vous dis à demain pour un vlog. Salut!